Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo rapide pour vous remercier d'être toujours de plus en plus à me suivre sur YouTube parce qu'on a passé le cap des 900 abonnés ce week-end. Et donc je voulais faire avec vous un petit point d'avancement, ce que j'essayerai de mettre en place pour atteindre le plus vite, on va dire, ou continuer à vous garder. Jusqu'au cap des 1000 abonnés, parce que je vous rappelle, hein, donc le cap des 1000 abonnés est assez important parce que ça va me permettre d'ouvrir d'autres possibilités au niveau de la chaîne, surtout en question de partenariat pour avoir peut-être plus de choses à vous montrer, de vous présenter d'autres choses tout simplement, en plus des vidéos par rapport aux jeux vidéo sur lesquels aujourd'hui je suis plus limité, on va dire. Et on va donc lancer la petite fenêtre, voilà. Donc je voulais revenir avec vous pour faire un petit point donc, par rapport aux vidéos et aux différentes évolutions de la chaîne. Donc on va retourner sur un trimestre à peu près, ça veut dire ça va revenir à peu près, ça va montrer globalement ce que donne la chaîne. Donc je vous montre bien, hein, je vous triche pas, la vidéo n'est pas faite à l'avance, hein, 902. Et donc ça marche ou quoi? 1er janvier, non, c'est pas marché. Ah, bah oui, d'accord, c'est trimestre. L'année 80. Bah oui, c'est logique, on a passé la nouvelle année. Et donc, vous voyez, donc, bon, bah voilà, la durée moyenne de visionnage. Alors, c'est vrai que maintenant, YouTube est plus passé sur le côté. Durée de visionnage en priorité par rapport au nombre de vues. Mais beaucoup d'autres choses font que le nombre de vues reste important, surtout au niveau de tout ce qui est partenariat par rapport aux jeux vidéo. C'est cette notion là, c'est le nombre de vues de vidéos qui est importante pour passer des caps, pour savoir si on gagne des points ou par rapport, plus par rapport aux minutes de visionner. Après, les minutes visionnées, hein, ça peut être intéressant, c'est un bon indicateur aussi. Parce que ça montre comme quoi vous aimez les vidéos que je fais aussi. Si la vidéo fait 5 minutes et vous regardez 4 minutes de vidéo, même les 5 minutes, c'est très très cool. Voilà. Et donc voici donc sur les 90 derniers jours, un peu l'évolution des différentes vidéos. Donc on voit que Parkitect garde le haut du panier, on va dire. Par rapport aux vidéos, vous voyez à peu près les revenus estimés, hein, c'est pas sur 80 mois. Alors je sais pas pourquoi ils sortent 7 euros de l'autre côté, à mon avis c'est encore leur truc qui me prend, ce que je vous garantis, c'est pas ce que je me fais. Et donc par rapport, hein, vous voyez, donc Parkitect, alors souvent c'est les premiers épisodes, vous voyez épisode 2 et épisode 1 qui attirent encore pas mal le monde. Après on se retrouve un peu toujours avec la première vidéo que j'avais fait sur Django, qui reste pas mal regardé, même si le nombre de vues est un peu en diminution. C'est vrai que cette vidéo là elle attire pas mal de gens. Bon, elle commence à être assez ancienne, en 2013, et malheureusement une nouvelle vidéo que j'ai fait sur des solutions peut-être plus d'actualité avec Docker ou autre, ont un peu moins de succès, mais bon, après on verra à la suite, hein. De toute façon mon but, ça fait partie de mes objectifs. Ce cap des 1000 abonnés, c'est d'essayer de faire un peu plus de présentations, un peu plus de tutoriels, essayer de faire des choses un peu plus construites, on va dire, dans les prochains temps. Rimworld avec Walking Dead qui marche pas mal, mais ça c'est pareil, c'est un ancien épisode qui continue à attirer du monde. Malheureusement, les nouveaux épisodes attirent beaucoup moins de monde, alors je pense que les gens sont attirés un peu plus par le titre que par la vidéo en elle-même, hein, parce que au départ c'est vrai qu'il y avait des gens qui suivaient la série. Maintenant je me suis rendu compte que les vidéos étaient beaucoup moins regardées, donc je pense que la saison actuelle de Rimworld The Walking Dead va s'arrêter, parce que le meilleur épisode a eu très peu de succès, et en plus les plugins bug de plus en plus avec la dernière version avec l'Alpha 16, et si quelque chose est fait dans la suite, ça sera tout simplement une nouvelle série de Rimworld classique, peut-être avec d'autres modes
qu'on découvrira à ce moment-là. Mais ça ne sera plus sur la partie des zombies, parce que le plugin des zombies n'est plus du tout mis à jour. Après, on retrouve du Parkitect. Kozak 3, alors, bizarrement, le premier épisode marche à peu près, les autres épisodes ne marchent pas. Et l'autre souci que j'ai avec Kozak 3, c'est que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos dessus, tout simplement, puisque les deux séries que j'avais commencé à faire, j'ai eu des soucis avec les mises à jour, avec les sauvegardes suite aux mises à jour. Il y a eu le coup avec Halloween, et après j'ai recommencé une autre vidéo, sur laquelle j'ai fait trois vidéos, et après j'ai encore eu une sauvegarde corrompue. Donc ça m'a un peu coupé dans les jambes, surtout que la deuxième vidéo était plus un peu le scénaristique. J'avais mis un peu plus de scénario, donc c'était dommage qu'elle n'ait pas marché, que j'ai pas pu vous la diffuser. Après on retrouve donc un peu de Parkitect. Kerbal Space Program qui reste aussi bien placé, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Kerbal. Malheureusement, je pense pas qu'une vidéo sur Kerbal Space Program arrivera tout de suite. Et dans les oubliés, on voit par exemple que tout ce qui est Civilization 6 n'apparaît pas dans le classement, parce que elle ne fonctionne pas, donc ces vidéos-là par exemple nous seront arrêtées. Je le reverrai un peu plus tard, peut-être que essayer de refaire une série sur les différentes... comment dire, les autres civilisations qu'une civilisation grecque, les gens ont comme peut-être l'habitude de regarder, peut-être qu'on partira sur d'autres choses, mais c'est vrai que le côté comment ça s'appelle, le côté civilisation classique sans mode n'attire peu de monde, on va dire, ou beaucoup plus en live. Et j'arrive à faire quelques lives de temps en temps, mais c'est vrai que là, les lives sont très limités, on va dire. Du côté des commentaires, le seul commentaire que je peux répondre, c'est par rapport à Ghost Leader, hein, que j'ai pas répondu. Mais tout simplement, c'était par rapport à la vidéo sur Sniper 3. En sachant que Sniper 3, donc j'y ai joué à peu près une heure, entre une heure et deux heures. J'ai essayé de faire plusieurs vidéos avec une partie promenée. Mais on va dire que promener, voilà, hein, c'était relativement rapide. Et les deux scénarios qui étaient proposés, je n'ai pas réussi. J'ai eu beaucoup de bugs qui fait que j'étais déçu par rapport à l'expérience. Donc à un moment, j'avais commencé à monter une vidéo. J'avais commencé à monter une vidéo à la suite de ça, pour vous montrer quand même un peu plus ce que c'était. Mais même la vidéo me plaisait pas, donc après j'ai préféré juste vous laisser cette partie là, qui est la partie résumé de mon expérience, parce que ça résumait bien en fait, mon petit résumé, même si on montre que pas du tout gameplay, résume bien le truc quoi. J'ai eu des bugs avec l'IA où ça apparaissait, les scénarios apparaissaient, disparaissaient aléatoirement, des fois on commence à tirer, les trucs, tout le monde disparaît, après tout le scénario est recommencé, tout le monde réapparaît. C'était un peu gênant. Et la difficulté était très mal gérée aussi. Hein. Je me suis retrouvé un coup avec une dizaine de personnes sur moi, je suis censé être un sniper. Et le combat de loin, et les scénarios se réinitialisaient tout le temps. Donc je pense qu'il y avait un petit souci à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais revenir? Pas grand chose, donc j'ai parlé de civilisations qui allaient donc s'arrêter. J'ai parlé de... comment dire... de Minecraft. Ah non, je n'ai pas parlé de Minecraft. Donc, les vidéos de Minecraft ont un bon petit retour. Voilà, il n'y a pas 90 jours de retour. Mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir que les vidéos Minecraft ne marchaient pas trop mal. Par rapport à EcoCube, donc je suis content qu'elle refonctionne bien, parce que c'est vrai que pendant longtemps j'avais boudé de faire des vidéos sur Minecraft, parce que c'est vrai que elle n'avait que très peu de succès. Là c'est vrai que d'avoir une vidéo qui a fait 50 vues par rapport à mon usine à poulet, par rapport à mon usine à pastèque qui est un peu moins vieille, mais même sur des vidéos plus génériques où j'ai 33 et 39, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc je pense que je vais continuer par rapport à EcoCube, surtout que j'ai un lien particulier avec eux. Et donc je pense qu'EcoCube va tout simplement remplacer le créneau de civilisation.
Donc je vous dis, hein, je reviendrai un peu plus tard. Rimworld pareil, donc s'arrête pour la série Walking Dead et ce sera c'est la main en F1 pour Walking Dead. Le vendredi, je continue ma petite série donc sur les présentations de jeux que j'ai renommé Vendardi, où on va dire tous les vendredis j'essaie de vous présenter un jeu. Donc là j'avais fait un épisode spécial sur EcoCube, mais vous avez eu ce petit jeu là et vous n'avez pas eu vendredi là. Tout simplement parce que voilà, vendredi et samedi j'ai pas pu vous préparer les différentes vidéos, donc au lieu de vous fournir des vidéos de mauvaise qualité, j'ai préféré préparer d'autres vidéos qui viendront, et surtout des petits tutoriels par rapport au téléphone, des applications téléphoniques sur le téléphone, sur Android, que je vais vous présenter. Et justement j'ai eu aussi à voir avec un petit logiciel qui s'appelle Air Server en partenariat, donc ils m'ont donné une clé pour que je puisse vous faire des petites présentations d'écran tout simplement, et donc ça va me permettre de vous présenter des applications mobiles sur mes différentes vidéos. Donc ça va permettre entre autres, alors si je vais essayer de vous montrer quelque chose. Par exemple, si je fais IA, tac. Donc là vous voyez pas, mais là vous voyez, ça va se connecter et je vais demander. Alors, je ne suis pas sûr que l'application se soit mise en marche. Allô, allô. Ah, voilà, ça arrive. Bizarrement, mais ça arrive. Tac. Et là, donc, je change de fenêtre. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, vous avez Air Server. Donc, qui est une application vraiment très sympathique qui va me permettre de faire des petites présentations d'applications. Donc là, vous voyez, vous avez. Vous voyez mon Twitter, je peux vous montrer le clic d'EcoCube. Vous voyez, ça c'est très sympathique puisque ça va me permettre de vous montrer différentes personnes. Donc là, vous voyez, ils sont tous partis faire du GTA 5 sur EcoCube. Il n'y a que deux personnes qui sont sur le HE. Petit retour aussi rapide sur EcoCube. Si vous êtes. On va déposer. Si vous êtes intéressé pour rejoindre EcoCube, c'est très simple, ça se passe sur le site. Je vais vous montrer. Comme ça, on ne pourra pas dire que je ne vous ai pas montré. Donc ça se passe sur ce cube, sur ce site. Donc vous voyez, vous tapez EcoCube dans Google vous retrouve, nous retrouve. Donc c'est assez simple. Et là, vous avez le site. Et là, vous avez un formulaire à nous fournir pour la différente candidature. Donc là, il faut que vous soyez connecté pour vous enregistrer avant pour pouvoir remplir le formulaire. Mais ça va nous permettre donc vous permettre de nous rejoindre sur EcoCube si vous avez plus de 17 ans. Et ça sera avec un très grand plaisir donc que on se retrouvera. J'invite, je fais aussi fortement une invitation, on va dire, aux autres personnes qui pourraient faire des vidéos sur YouTube, parce qu'on cherche justement des gens motivés à faire faire vivre un peu plus le serveur sur par rapport à YouTube, parce que c'est vrai que beaucoup de membres actuels n'ont plus le temps, autant le temps on va dire, de vous présenter tout ça. Donc vous voyez, EcoCube fournit aussi un petit portail sur rue, parce que voilà, si vous faites des vidéos sur EcoCube, nous on essaie de faire la petite pub sur le site, sur une playlist officielle. Donc voilà, c'était le petit retour que je voulais faire par rapport à EcoCube. On va fermer toute cette partie et donc je vais vous laisser. J'espère que déjà je vous remercie donc d'être toujours plus nombreux, de m'avoir suivi jusqu'au bout, et en route pour les 1000 abonnés, et je vais tout faire pour que vous soyez toujours aussi motivés à vous abonner et à regarder mes nouvelles vidéos. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Bye bye. Comme d'habitude, je finis la vidéo en vous invitant fortement à mettre un pouce vert, à partager la vidéo si vous avez aimé,
à vous abonner si ce n'est pas fait. Et bien sûr, vous inscrire sur l'écocube si vous voulez nous rejoindre. Allez, bye bye et à bientôt.